Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le live du CELA CGT, syndicat étudiant lycéen apprenti de la CGT. Vous allez bientôt assister à une conférence intitulée Histoire du syndicalisme, phase, contradiction et leçons pour aujourd'hui par Saïd Bouamama, ici présent, suivie d'une séance de questions-réponses auxquelles vous pourrez participer en postant vos questions et vos remarques en commentaire. Cette conférence s'inscrit dans un cycle de formation que le CELA a mis en place avec Saïd depuis la rentrée scolaire 2020. Une première conférence a eu lieu à Lille et avait comme thème l'écologie. La deuxième a eu lieu à Valenciennes et portait sur la mondialisation. Cette troisième conférence devait avoir lieu au sein de l'Union locale de Tourcoing. En raison de la crise sanitaire et du couvre-feu, nous avons choisi de vous la proposer sous la forme d'un live Facebook. Sans plus attendre, je vous laisse en tête-à-tête avec notre intervenant, Saïd Bouamama, sociologue et auteur de nombreux ouvrages. Vous pouvez retrouver l'ensemble de ses analyses politiques sur son blog. En tant que syndicaliste, nous aimerions aussi vous rappeler deux dates importantes. La première, le 26 janvier à 14h30, porte de Paris à Lille, manifestation et grève pour soutenir l'éducation. Pardon. Et la seconde, le 4 février, à l'appel de l'Union départementale Société du Nord, toujours porte de Paris, 14h, pour défendre cette fois l'hôpital public et la santé publique. Merci à vous, bonne conférence, à bientôt, Saïd, à ton tour. Bonjour et bienvenue pour cette troisième séance du cycle de formation du CELA. Vous m'avez demandé aujourd'hui d'aborder la question de l'histoire du syndicalisme, de ses phases et des leçons que nous pouvons en tirer. Il ne s'agit pas de faire de l'histoire pour l'histoire, mais d'apprendre de l'histoire. Il ne s'agit pas d'un regard nostalgique sur le passé, mais de savoir ce que nos anciens ont pu mener comme combat, ont mené comme débat, pour repérer ce qui est encore aujourd'hui d'une actualité brûlante. Le syndicat, comme forme organisationnelle, est une des plus anciennes qui existent encore actuellement, une des plus présentes aux quatre coins de la planète, une des plus significatives sur le plan du nombre de militants et une des plus actives sur les plans de la contestation sociale et des luttes concrètes. Bref, le syndicat est une réalité transversale incontournable aujourd'hui, à toutes les phases du capitalisme jusqu'à aujourd'hui, de ses premiers pas au moment de la naissance du capitalisme infantile à l'époque actuelle dite de mondialisation capitaliste. Faire ce premier constat ne signifie en aucun cas idéaliser la situation actuelle. Le nombre de syndicats connaît une baisse durable. Des fractions entières des classes populaires ne sont plus comme par le passé socialisées par l'expérience syndicale. De nombreux syndicats ont laissé dépérir, voire fait disparaître, des dimensions essentielles de la vie syndicale. Formation et socialisation politique, solidarité prolétarienne internationaliste, articulation des revendications immédiates et de la critique de la cité capitaliste. Le cumul de ces deux constats, d'une part, la forme d'organisation encore la plus prégnante et la plus présente, et d'autre part, une vraie difficulté contemporaine, le cumul de ces deux constats souligne l'importance d'une redécouverte de l'histoire syndicale, des débats et contradictions qui l'ont caractérisée, des leçons que leurs militants en ont tirées. L'objectif de cette séance de formation est de rappeler quelques étapes clés de cette histoire syndicale, quelques-uns des débats utiles à nos luttes d'aujourd'hui, quelques erreurs qui nous guettent de nouveau aujourd'hui. Pour ce faire, nous aborderons dans un premier temps la préhistoire du mouvement syndical, c'est-à-dire les conditions de son émergence et dans un second temps les grandes étapes qui ont structuré le développement syndical en France et les leçons de chacune d'entre elles. Nous soulignerons pour chacune de ces étapes les débats essentiels et les leçons qu'il nous semble nécessaire d'en tirer. Commençons donc par la préhistoire du mouvement syndical. Le syndicat est une organisation de travailleurs correspondant à une forme de société précise, le capitalisme. Auparavant, il y avait déjà des travailleurs et des organisations de travailleurs, comme les corporations par exemple, regroupant les artisans d'une même spécialité.
Cependant, il faut entendre ici le capitalisme dans sa véritable histoire. Contrairement à ce que de nombreux livres scolaires nous ont appris, ce mode de production ne naît pas brusquement avec la révolution industrielle. Du XVe siècle au XVIIIe siècle, l'industrie est éparpillée dans les campagnes. Le travail à domicile est prédominant. Le travailleur pour l'industrie est en même temps un paysan. Les formes de solidarité et de résistance à l'adversité sont inévitablement familiales. Il faudra donc attendre l'afflux énorme de richesses issues de la destruction des civilisations amérindiennes, puis de l'esclavage, pour que ce développement long et éparpillé cède la place à un développement rapide et concentré. Les travailleurs cessent d'être des ruraux, les paysans sont déracinés pour devenir de nouveaux prolétaires, les formes de solidarité familiale deviennent inopérantes. En revanche, le travailleur n'est plus désormais seul face à son travail. Chacun n'est plus isolé dans sa cuisine avec son métier à tisser ou dans sa cour avec son four à charbon. Désormais, il expérimente chaque jour la prise de conscience progressive d'une communauté de situations, d'une communauté de vie, d'une communauté d'intérêts. Bref, de la conscience d'appartenir à une fraction précise de la société, c'est-à-dire à une classe sociale. On comprend mieux l'intérêt pour le télétravail aujourd'hui des classes dominantes. Le télétravail leur fait rêver de revenir au tout début du capitalisme, au moment où le travailleur était éparpillé chez lui. Ce passage d'un âge du capitalisme à un autre fait surgir un besoin objectif de forme organisationnelle pour la survie du fait de l'éclatement des solidarités familiales. Ne pouvant plus bénéficier des solidarités familiales, il fallait que les travailleurs inventent de nouvelles formes de solidarité. La réponse à ce besoin va d'abord être recherchée dans le réinvestissement des formes anciennes d'organisation, les corporations, les guildes, les caisses de solidarité plus ou moins durables. D'anciens artisans, devenus prolétaires, amènent avec eux ce savoir organisationnel et tentent de le mettre au service de la nouvelle réalité sociale. Les premières luttes ouvrières soulignent cependant rapidement l'inadéquation de ces organisations du passé aux luttes du présent. C'est cette longue expérience de lutte et d'échec, d'essais et d'erreurs qui, avec le temps, font mûrir les conditions du syndicat au sens moderne du terme. La bourgeoisie ne s'y est pas trompée. Dès la Révolution française, l'article 2 de la loi du député Isaac Le Chapelier du 14 juin 1791 interdit le regroupement syndical. Il énonce ainsi, je cite, « Les citoyens d'un même État ou d'une même profession, les entrepreneurs, ceux qui ont boutique ouverte, ne pourront, lorsqu'ils se trouveront ensemble, se nommer ni président, ni secrétaire, ni syndic, tenir des registres, prendre des arrêtés ou délibérations, former des règlements sur leurs prétendus intérêts communs. » Marx analyse ce décret de la Révolution française de la manière suivante, un coup d'État bourgeois. Dès les débuts de la Révolution française, la hantise, la peur de l'organisation collective et de l'organisation syndicale est au sein de la bourgeoisie. Le besoin de s'organiser pour exiger une amélioration de salaire conduira à des organisations clandestines. Pour n'en citer que quelques-unes de l'époque, Ligue des ouvriers charpentiers, Société de compagnonnage, Coopérative ouvrière, Société d'entraide, Société mutuelle, une multiple expérimentation est en cours pour tenter de trouver la forme la plus adéquate aux besoins des luttes du nouveau prolétariat. Ce qu'il y a de commun à toutes ces initiatives, c'est la prise de conscience de la nécessité d'un « nous ouvrier » organisé. Marx décrira ce mouvement par les deux concepts de classe en soi et de classe pour soi. La classe en soi, c'est la situation spontanée des travailleurs sans qu'ils n'aient besoin d'organisation. Avec ou sans organisation, les classes existent. Avec ou sans organisation, la classe ouvrière existe comme groupe social objectif dans la société. Ils ont avec ou sans organisation une communauté d'intérêts. Simplement,
ils n'existent pas en tant qu'un groupe défendant leurs propres intérêts. En tant que groupe conscient de ceci, ils sont, diront Marx, comme un sac de pommes de terre. La classe pour soi est à l'inverse, une classe qui, par son organisation, a pris conscience de son identité propre. Le passage de la classe en soi à la classe pour soi suppose l'organisation et le syndicat est la première et incontournable forme de ce processus. Voici comment une brochure datée de 1833 d'un cordonnier, signé Ephraim, résume ce besoin organisationnel. Nous sommes en 1833. Si nous restons isolés, éparpillés, nous sommes faibles. Il faut donc un lien qui nous unisse, une intelligence qui nous gouverne. Il faut une association. Le texte de la brochure date de 1833, c'est-à-dire de 3 ans après la révolution de 1830, à laquelle ont massivement participé les ouvriers parisiens, mais qui se conclut parce qu'ils étaient inorganisés par la victoire de la bourgeoisie. La révolution de 1848 voit se renouveler le scénario d'insurgés ouvriers, de morts ouvriers, pour une révolution ne faisant que consolider la bourgeoisie. L'idée d'une autonomie ouvrière nécessaire sort renforcée des 3 grandes révolutions de la période, 1789, 1830 et 1848. Après 1848, les structures ouvrières aux noms multiples explosent. Elles sont encore interdites, mais exigent de plus en plus leur légalisation. Elles se cachent de moins en moins, rendant ainsi plus difficile la répression. C'est cette histoire longue et coûteuse qui est à la base de des moments essentiels de l'histoire syndicale, ce que l'on a appelé le manifeste des 60. Le 17 février 1864, Marx appellera ce manifeste la première charte de classe du mouvement ouvrier français en voie de devenir adulte. Elle est le fait de 60 ouvriers parisiens. Voici ce que nous dit ce manifeste. On a répété à satiété: il n'y a plus de classe depuis 1789. Tous les Français sont égaux devant la loi, nous dit-on. Mais nous n'avons d'autre propriété que nos bras, nous qui subissons tous les jours les conditions illégitimes et arbitraires du capital, nous qui vivons sous des lois exceptionnelles, telles que les lois sur les coalitions et l'article 1781, qui portent atteinte à notre intérêt et en même temps qu'à notre dignité. Il nous est difficile de croire à cette affirmation. Le texte du Manifeste des 60 que nous devrions republier et faire circuler énonce une série de revendications immédiates. Abrogation de l'article 1781 du Code civil, abolition de la loi sur les coalitions, création des chambres syndicales, élargissement de la compétence des sociétés de secours mutuel, réglementation du travail des femmes, réforme de l'apprentissage, instruction primaire et professionnelle gratuite. Nous sommes devant un des premiers programmes de lutte syndicale. C'est ainsi que le mouvement ouvrier naissant, qui initie cette pratique consistant à défier la classe dominante en donnant des noms publiquement. Il y aura de nombreux héritages. En signant à 60, il contraignait la classe dominante soit à les réprimer tous et donc à se démasquer, soit à laisser faire. Depuis, nous avons eu le manifeste des 121 pendant la guerre d'Algérie, où 121 personnes ont signé pour déclarer qu'elles soutenaient l'indépendance de l'Algérie. Le manifeste des 343 femmes déclarant s'être fait avorter. C'est au sein du mouvement ouvrier qu'est née cette pratique du manifeste. À partir de là, les chambres syndicales vont se multiplier dans les grandes villes par métier. 1867 pour les ébénistes, les orfèvres, les typographes, les cordonniers. 1868 pour les tailleurs de pierre, les mécaniciens, etc. Bref, on a un flot de création de chambres syndicales, c'est toujours par métier. Ces chambres syndicales vont ensuite s'unir, toujours par métier, en fédération nationale. On va alors avoir la création de la chambre nationale des syndicats de chapeliers, des chambres syndicales des cordonniers de France, etc. etc. Elles vont enfin s'unir de manière interprofessionnelle pour la première fois en 1869 à l'initiative du militant de la Première Internationale et futur communard Eugène Varlin avec la constitution
de la Chambre fédérale des sociétés ouvrières de Paris. Ce n'est pas un hasard que Varelin se retrouve à la manœuvre. Militant de la Première Internationale créée par Marx et Engels, il connaît les capacités spontanées des masses ouvrières à s'organiser. Mais il sait aussi la tendance à en rester à une solidarité de métier. Les militants internationalistes contribueront pendant toute cette période à faire grandir la conscience d'une solidarité qui ne soit pas simplement de métier, mais qui soit de classe. Nous pouvons donc tirer de cette préhistoire une première conclusion. Avec la création de la Chambre fédérale des sociétés ouvrières de Paris, la solidarité de classe tend à dépasser la solidarité de métier. La préhistoire du syndicalisme éclose commence alors son histoire. Quelques grandes étapes de cette histoire. Il n'est pas bien entendu possible d'être exhaustif sur cette histoire aussi riche et aussi longue, ou plus exactement, il nous faudrait toute une série de cours pour développer chacune des étapes. Nous n'aborderons donc que quelques jalons historiques que nous avons choisis parce que nous les considérons comme incontournables. D'abord, la bataille des 8 heures. Le manifeste des 60 comprend plusieurs signataires de la Première Internationale ouvrière. La création du premier syndicat interprofessionnel est initiée par Eugène Varelin, lui-même militant de cette Première Internationale. Ces militants internationalistes disposent d'analyses et de résolutions régulières de l'organisation internationale, leur permettant de s'orienter dans le choix des priorités, des mots d'ordre et des revendications. Les progrès du syndicat et ceux de l'international vont de pair. Les militants de la Première Internationale se font reconnaître par leurs analyses, par leurs apports et leurs pratiques dans les syndicats. À l'inverse, les militants syndicaux les plus actifs finissent par s'orienter également vers l'international. Les internationaux, comme on les appelle à l'époque, agissent ainsi dans leurs syndicats respectifs pour déboucher sur un regroupement national. Dès 1886, une première étape est franchie avec la fondation de la Fédération nationale des syndicats, suivie quelques années plus tard en 1892 par une Fédération nationale des bourses du travail. Nous sommes donc en présence d'une double logique qui prévaut au sein du mouvement ouvrier. Une logique professionnelle symbolisée par la Fédération nationale des syndicats et une logique territoriale symbolisée par la Fédération nationale des bourses du travail. Les bourses du travail, qui n'étaient au début que de simples locaux mis à la disposition de certaines par certaines municipalités pour y organiser des bibliothèques ouvrières, des conférences, des cours du soir, vont rapidement être investis par les premiers militants syndicaux comme des forteresses ouvrières. Cela conduira à des combats pour l'ouverture de bourses du travail et contre les projets de fermeture de certaines d'entre elles par les municipalités réactionnaires. La première bourse du travail est fondée à Paris en 1887. On en compte déjà 22 au moment de la création de la Fédération nationale en 1892. Elles seront 86 en 1902. Ces bourses du travail regroupent tous les courants du mouvement syndical, mais sont le terrain privilégié de ceux qui se dénomment les syndicalistes révolutionnaires. Le premier secrétaire de la Fédération nationale est ainsi un des théoriciens du syndicalisme révolutionnaire, Fernand Pelloutier. Mélange d'influences marxistes et anarchistes, le syndicalisme révolutionnaire est représenté par des militants comme Fernand Pelloutier, Hubert Lagardère, Georges Sorel, Émile Pouget, Pierre Monatte. Pour ces militants et leaders, le syndicat est la seule organisation nécessaire et légitime. Il s'oppose à la fois aux syndicalistes réformistes ainsi qu'aux autres partis politiques ouvriers. Il développe une conception de l'autonomie ouvrière centrée sur la seule organisation syndicale. Celle-ci est définie alors comme l'instrument des luttes sociales, comme l'outil de la prise du pouvoir par la grève générale et comme la base de l'organisation de la future société. Le combat pour l'unité est enclenché dans les deux fédérations et l'emporte rapidement. En 1895, les deux fédérations, celle des syndicats et celle des bourses du travail, fusionnent pour donner naissance à la CGT, Confédération Générale du Travail, dont la première bataille d'importance fut la bataille des 8 heures, suite aux propositions de la Première Internationale. À partir du 1er mai 1906, nous ne travaillerons plus que 8 heures par jour, affichent sur leur façade les bourses du travail, conformément aux résolutions
des congrès de Bourges de 1904. Une loi d'avril 1919 impose les 8 heures, démontrant ainsi l'efficacité nationale du syndicalisme. Si la loi des 8 heures est la victoire syndicale la plus importante, elle n'est pas la seule. Les luttes ouvrières imposent de nombreuses autres évolutions du droit du travail. La loi du 8 juillet 1890, instaurant des délégués mineurs à la sécurité. La loi du 2 novembre 1892, réglementant le travail des enfants, des filles mineures, des femmes dans l'établissement industriel. La loi du 9 décembre 1900, régulant le travail des femmes dans les magasins et boutiques. Le décret du 21 mars 1914, sur les travaux insalubres et dangereux pour les enfants, les filles mineures et les femmes. La loi du 13 septembre 1907, qui impose le fait que la femme mariée dispose en direct de son salaire. La loi du 17 juin 1913, sur le repos des femmes en couche. Les décrets du 1er octobre 1913, sur les mesures d'hygiène et de sécurité dans les industries. Et la loi du 31 juillet 1906, qui impose le repos hebdomadaire. Nous citons longuement cette série de conquis sociaux pour simplement rappeler que ce qui semble aujourd'hui une évidence est le résultat des luttes de la Confédération générale du travail dans notre pays. Seconde étape, seconde phase essentielle, la charte d'Amiens. Toutes ces victoires sont d'abord le fait de la mobilisation syndicale, mais elles sont également le fait de l'action d'autres organisations ouvrières, comme le Parti ouvrier français de Jules Guedt jusqu'en 1902, puis le Parti socialiste de France, fusion du POF et du Parti socialiste révolutionnaire d'Édouard Vaillant jusqu'en 1905, puis par la SFIO, fusion du Parti socialiste de France et du Parti socialiste français de Jean Jaurès. Les militants de ces partis sont syndiqués et sont pour la plupart élus responsables syndicaux par leurs camarades. Ils mènent le combat à l'extérieur du syndicat avec leur casquette politique, en soutenant les revendications syndicales. Les députés de ces partis reprennent, de manière plus ou moins cohérente et plus ou moins offensive, du fait de l'influence des réformistes, c'est les revendications de la CGT. Trois débats essentiels vont déterminer ce qui donnera naissance à la charte d'Amiens. D'abord, l'analyse du capitalisme et la définition des tâches syndicales qui en découlent. Secondo, le concept qui restera dans l'histoire avec le terme « double besogne ». Et troisièmement, le lien avec les partis politiques. Les débats qui vont conduire à la charte d'Amiens vont, sur le premier axe, dresser une définition du capitalisme et appeler à la lutte contre toutes les formes d'exploitation et d'oppression. Le capitalisme est analysé comme un système dont il ne suffit pas de corriger les effets, mais dont il convient de détruire la logique déterminée par la propriété privée des moyens de production, assurant l'accaparement de la plus-value. Dans l'ADN de la CGT, il y a donc inscrit depuis la charte d'Amiens l'idée que le capitalisme n'est pas réformable, mais doit être détruit. Le second axe défini lors des débats sur la charte d'Amiens est la définition des tâches du syndicat comme constituant une double besogne. Celle de la lutte pour des améliorations immédiates et, en parallèle et sur le même niveau, celle de la lutte pour l'expropriation des capitalistes. Il s'agit de deux luttes qui sont en interaction permanente. Prétendre mener la lutte pour le renversement du capitalisme sans se préoccuper du combat pour les préoccupations immédiates, cela s'appelle du gauchisme. Se contenter de la lutte pour les préoccupations immédiates et les revendications immédiates sans diffuser la prise de conscience antisystémique, c'est-à-dire le fait que le système capitaliste est la base de la situation qui est la nôtre, cela s'appelle du réformisme. La charte d'Amiens rejette donc à la fois le gauchisme et le réformisme. Le troisième axe défini lors de la charte d'Amiens est la question du lien avec les organisations politiques. Les débats permettent de clarifier un certain nombre de principes. Les syndiqués ont le droit d'appartenir à des organisations politiques, précise la charte d'Amiens, mais ne doivent pas imposer leur programme aux syndicats.
Celui-ci doit être le résultat des décisions syndicales autonomes. Tous ceux qui voudraient faire dire plus à la charte d'Amiens, c'est-à-dire considérer, ce sont certaines interprétations qui sont menées aujourd'hui, que la charte d'Amiens s'oppose au parti politique ouvrier, eh bien, tordent la réalité. Ce qui est tout simplement rappelé là, c'est la question de l'autonomie organisationnelle et non pas un quelconque rejet du combat politique. Citons cette charte, encore parfois brandie de manière fallacieuse par des réformistes, mais aussi par certains anarchistes. Le Congrès confédéral d'Amiens confirme l'article 2, nous dit la charte, constitutive de la CGT. La CGT groupe, en dehors de toute école politique, tous les travailleurs conscients de la lutte à mener pour la disparition du salariat et du patronat. Le Congrès considère que cette déclaration est une reconnaissance de la lutte des classes qui oppose sur le terrain économique les travailleurs en révolte contre toutes les formes d'exploitation et d'oppression, tant matérielle que morale, mises en œuvre par la classe capitaliste contre la classe ouvrière. Le Congrès précise, toujours au moment de la charte d'Amiens, par les points suivants, cette affirmation théorique. Dans l'œuvre revendicatrice quotidienne, le syndicalisme poursuit la coordination des efforts ouvriers, l'accroissement du mieux-être des travailleurs par la réalisation d'améliorations immédiates, telles que la diminution des heures de travail, l'augmentation des salaires, etc. Mais cette besogne n'est qu'un côté de l'œuvre du syndicalisme. Il prépare l'émancipation intégrale qui ne peut se réaliser que par l'expropriation capitaliste. Il préconise comme moyen d'action la grève générale et il considère que le syndicat, aujourd'hui groupement de résistance, sera dans l'avenir le groupe de production et de répartition de base de la réorganisation sociale. Le Congrès déclare que cette double besogne quotidienne et d'avenir découle de la situation des salariés qui pèse sur la classe ouvrière et qui fait à tous les travailleurs, quelles que soient leurs opinions ou leurs tendances politiques ou philosophiques, un devoir d'appartenir au groupement essentiel qu'est le syndicat. Comme conséquence, en ce qui concerne les individus, le Congrès affirme l'entière liberté pour le syndiqué de participer, en dehors du groupement corporatif, à telle forme de lutte correspondant à sa conception philosophique ou politique, se bornant à lui demander en réciprocité de ne pas introduire dans le syndicat les opinions qu'il professe au dehors. En ce qui concerne les organisations, le Congrès déclare qu'afin que le syndicalisme atteigne son maximum d'effet, l'action économique doit s'exercer directement contre le patronat, les organisations confédérales n'ayant pas, en tant que groupements syndicaux, à se préoccuper des partis et des sectes qui, en dehors et à côté, peuvent poursuivre en toute liberté la transformation sociale. Il fallait citer intégralement ces longs passages de la charte d'Amiens, tant il y a aujourd'hui des offensives pour lui faire dire ce qu'elle ne dit pas, pour prétendre que le syndicalisme serait entièrement coupé du combat politique. La charte d'Amiens est un outil de l'autonomie ouvrière et non un rejet des partis politiques ouvriers. C'est le respect du cadre syndical qui est mis au centre et rien d'autre. Les réformistes tenteront régulièrement de la mettre en avant, cette autonomie, pour s'opposer au choix démocratique des leaders révolutionnaires en arguant de leur appartenance, généralement au PCF après 1920, pour les discréditer. Certains anarchistes, pour leur part, tordront la charte d'Amiens pour tenter de lui faire dire que le syndicat s'oppose au parti politique quel qu'il soit. La charte d'Amiens est votée par 830 voix contre 8 et un vote blanc. C'est-à-dire que les deux grands courants, guédistes comme syndicalistes révolutionnaires, ont voté pour la charte d'Amiens. Troisième phase, troisième étape de notre histoire syndicale, la question de l'internationalisme. La Première Guerre mondiale fut une épreuve décisive pour l'ensemble du mouvement ouvrier, syndical comme politique. Avec 700 000 syndiqués, la CGT est la structure centrale de ce mouvement ouvrier. Elle est le cœur de ce mouvement ouvrier. La position de la CGT à la veille de la Première Guerre est résumée par ses slogans. La paix ou la révolution. La guerre, et guerre à la guerre.
Ces deux slogans soulignent la position internationaliste de la CGT. Cette position est en phase avec celle des autres partis ouvriers, en particulier de la SFIO, qui menace une grève générale en cas de déclenchement d'une guerre impérialiste. Les positions vont malheureusement commencer à changer à partir de 1913, lors de la crise des Balkans et de la crise marocaine. Jean Jaurès, par exemple, cesse de menacer de grève ouvrière contre la guerre pour défendre l'idée d'un arbitrage pour obtenir une détente internationale. La SFIO, qui caractérisait il y a peu le gouvernement de soutien, le soutien désormais d'agressif. Seule la CGT, dans ce contexte, va rester sur les positions historiques anti-guerre du mouvement ouvrier. Le congrès extraordinaire de 1912 est consacré à l'action préventive contre la guerre. Toujours en 1912, la CGT co-organise avec la SFIO la mobilisation contre la loi dite des 3 ans, c'est-à-dire une loi portant le service militaire à 3 ans, c'est-à-dire préparant la guerre impérialiste. Le 23 février 1913, elle publie un manifeste antimilitariste, qu'il faudrait d'ailleurs lui aussi republier aujourd'hui. Elle appelle également à des manifestations pour le 27 juillet 1914 contre la guerre impérialiste imminente. L'assassinat de Jaurès fait basculer malheureusement la quasi-totalité des leaders de la CGT comme de la SFIO dans le camp de l'Union sacrée. Lors des obsèques de Jaurès, le 4 août, le dirigeant de la CGT, Léon Jouhaud, déclare, je cite, « Au nom de ceux qui sont partis et de ceux qui vont partir dont je suis, je déclare que ce n'est pas la haine du peuple allemand qui nous poussera sur les champs de bataille, c'est la haine de l'impérialisme allemand. » On passe de l'opposition radicale à la guerre impérialiste et du refus de la faire à l'idée que ce serait une guerre contre un impérialisme allemand. Malgré cette trahison au plus haut sommet, c'est au sein de la CGT, et plus particulièrement au sein de la Fédération des métaux, que les positions internationalistes tiennent le plus fermement. Le numéro du 1er mai 1915 de l'Union des métaux conclut cette déclaration. Nous sommes déjà en pleine guerre et les chefs ont déjà trahi. Donc conclut sa déclaration par ce slogan « Cette guerre n'est pas la nôtre ». La Fédération des métaux devient un pôle de contestation et le centre de la lutte contre la guerre. La Fédération va envoyer des délégués à la conférence de Zimmerwald contre la guerre. À leur retour, une publication est éditée par cette Fédération des métaux qui nous dit, je cite, « Cette guerre n'est pas notre guerre, pas d'annexion, effective ou masquée. Le droit des populations à disposer de leur sort doit être intégralement observé. Nous prenons l'engagement formel d'agir inlassablement dans nos pays respectifs afin que le mouvement de la paix devienne assez fort pour imposer à nos gouvernements la cessation de cette tuerie. En dénonçant l'Union sacrée, en restant fermement attaché à la lutte des classes qui servit de base à la construction de l'international socialiste, nous, socialistes et syndicalistes allemands et français, puiserons la fermeté de lutter parmi nos nationaux contre cette affreuse calamité et pour la fin des hostilités qui ont déshonoré l'humanité. C'est donc au sein de la CGT qu'est maintenue la flamme internationaliste et la résistance à la guerre. L'opposition à la guerre ne cessera de grandir depuis. En réaction aux critiques de la Fédération des métaux, Léon Jouhaud, secrétaire de la CGT, est contraint de convoquer une conférence nationale des fédérations et unions de la CGT qui va se tenir le 15 août 1915. La motion minoritaire dénonçant l'Union sacrée reçoit 27 voix contre 79 pour la motion majoritaire. Nous sommes à peine un an après le déclenchement de la guerre et déjà un tiers de la CGT refuse de cautionner l'Union sacrée et appelle à retrouver les positions internationalistes qui étaient celles de l'organisation avant la trahison des chefs. Une conférence nationale de la CGT va se tenir à Paris également un an plus tard, les 24 et 25 septembre 1916, avec comme ordre du jour le bilan de l'action de la Confédération depuis le début de la guerre. La Confédération est approuvée dans ses positions d'Union sacrée par 99 structures, 31 fédés, 26 unions,
et 42 bourses du travail. Mais elle est rejetée déjà par 26 structures, 6 fédérations, 8 unions et 12 bourses du travail. Près d'un tiers de la CGT relève ainsi le drapeau de l'internationalisme, alors que nous sommes dans une ambiance idéologique où l'union sacrée est prédominante. Les militants à la base de cette résistance internationaliste appartiennent aux deux grands courants révolutionnaires au sein de la CGT, syndicalistes révolutionnaires et marxistes. On retrouve en revanche également des représentants de ces deux courants, malheureusement, dans l'Union sacrée. Il convient d'avoir en tête cette histoire au moment où certains voudraient aujourd'hui à la CGT nous appeler à nous désintéresser des guerres actuelles que suscite le capitalisme. Certains osent avancer que les guerres ne nous concernent pas, que nous ne devrions ne nous intéresser qu'au combat économique. C'est l'inverse de toute l'histoire de la CGT. L'internationalisme, on le voit, est dans l'ADN de la CGT. Troisième étape, l'après-guerre et la fondation de la Confédération générale du travail unitaire. La révolution russe a un effet immédiat sur le mouvement anti-guerre. Elle donne raison à la minorité qui n'a pas cédé à l'Union sacrée. Les grèves se multiplient dans l'ensemble des secteurs et du pays. Sous la pression de la base, au printemps 1920, la CGT initie un mouvement par vagues qui fait trembler le patronat et le gouvernement. En dépit d'une répression inédite depuis la Commune de Paris, le mouvement se durcit. La direction confédérale est dépassée et appelle à l'arrêt du mouvement lors d'un CCN en mai 2020. Perçue comme une trahison, cette décision est dramatique. Les fédérations qui refusent d'arrêter la grève, comme les cheminots, sont laissées seules. La répression sera féroce. 18 000 révocations. À l'intérieur de la Confédé, la rupture est entièrement consommée. 18 000 militants syndicaux ont ainsi perdu leur travail, tout simplement parce qu'il n'y a pas eu solidarité du fait de l'abandon par la direction. Le 3 octobre 1920, la minorité révolutionnaire, écœurée par la position de la direction, crée des comités syndicalistes révolutionnaires. Ces CSR progressent au sein de l'appareil et gagnent peu à peu des fédérations entières comme les cheminots ou les métallos. Le 16e congrès de la CGT, en juillet 1921 à Lille, voit une tension très forte entre les deux tendances, dont les délégués vont même aller jusqu'à s'affronter physiquement. La direction l'emporte certes encore à 53% des mandats seulement. Jouot impose à ce moment-là, par peur de la démocratie, l'interdiction de l'appartenance au CSR à une toute courte majorité, 63 contre 57. C'est donc un coup d'État de la direction de la CGT qui va contraindre cette minorité grandissante voulant redonner à la CGT sa véritable nature qui va amener, malheureusement, une scission. La création de la CGTU en décembre 21 inaugure une des périodes les plus dynamiques de la lutte syndicale. Le nouveau syndicat adhère à l'Internationale syndicale rouge, soutient la révolution bolchevique, s'oppose à l'occupation impérialiste de la Roure, s'oppose aux guerres du Rif et soutient les révolutionnaires du Rif. Il s'oppose à la guerre de Syrie et du Liban. Cette période durera jusqu'à la réunification de 1936. Pendant toute cette période, de 21 à 36, la CGT, elle, va renoncer à la double besogne en se limitant à l'action pour les réformes immédiates. D'où le qualificatif de réformiste qui lui sera donné à l'époque. Prenons un exemple. Alors, tirons d'abord comme conclusion que oui, il y a eu scission, mais que les responsables de la scission en 1921, c'est la direction de la CGT qui contraint, par l'interdiction des CSR, qui contraint les révolutionnaires pour maintenir leur activité syndicale à s'organiser autrement. Les deux centrales, CGTU, tenues par les internationalistes, et la CGT, tenue par les réformistes, vont, jusqu'en 1936, développer des positions exactement opposées. Prenons l'exemple de l'immigration, par exemple. La CGT appelle pendant toute cette période à protéger la main-d'œuvre nationale par des mesures de protection pour la main-d'œuvre française, je cite.
et approuve la participation de la CGT au Conseil national de la main-d'œuvre, mis en œuvre par le patronat et le gouvernement français. Avec ses positions, elle cautionne l'idée raciste encore et le slogan raciste encore aujourd'hui diffusé, que ce seraient les travailleurs immigrés qui seraient responsables du chômage ou qui prendraient le travail des Français. La CGTU, pour sa part, oppose son combat pour l'égalité des droits pour les travailleurs immigrés aux positions des réformistes de la CGT. Elle refuse en conséquence toute idée de préférence nationale et de limitation de l'immigration. Voilà ce que dit la CGT, un document de la CGT, lors du 7e congrès en 1933. La crise de chômage donne à la question de la main-d'œuvre immigrée une importance sans précédent. Le capitalisme utilise adroitement cette situation pour la préparation idéologique de la guerre et pour servir son offensive contre les salaires et les conditions de travail. Sa presse mène une vive campagne de démagogie sur la protection de la main-d'œuvre française. Elle réclame le renvoi massif des immigrés, mais elle oriente toute son activité contre la partie la plus militante de l'immigration, celle qui entraîne la masse dans les luttes revendicatives aux côtés des ouvriers français. Le patronat peut ainsi obliger les immigrés à accepter des conditions inférieures de salaire. Il est aidé par les pouvoirs publics qui refusent les secours de chômage et imposent des contrats à des tarifs réduits pour les immigrés. Cette politique néfaste aux intérêts du prolétariat est soutenue par les main-d'œuvre des chefs confédérés de la CGT et de la SFIO qui ont réclamé le contingentement de la MOI, permettant ainsi le plein effet de la campagne de xénophobie menée par la bourgeoisie. Autour de la limitation à 10%, la demande de la CGT de limiter l'immigration à 10%, prévue par la loi de 1932, se mènent les pires excitations chauvines. La CGTU, au contraire, en réclamant les mêmes salaires et les mêmes droits pour les immigrés, lutte pour supprimer l'antagonisme entre ouvriers de diverses nationalités. Mais une telle lutte exige que l'ensemble des organisations unitaires combattent les courants chauvins et xénophobes, qu'elles appellent leurs membres et tous les travailleurs à la défense des revendications de la main-d'œuvre immigrée. Et ainsi se réalisera l'unité d'action, seule susceptible de battre en brèche les manœuvres du capitalisme. On croirait entendre un texte qui est écrit pour aujourd'hui, tant les mêmes débats sont aujourd'hui posés. Précisant ses revendications en matière d'immigration, la CGTU va se positionner à la fois pour la liberté de circulation et pour l'égalité complète des droits. Elle s'adresse à la classe ouvrière en tentant de mettre en place des analyses, des textes d'une grande simplicité pour illustrer les enjeux. Et en particulier, j'ai sélectionné ce dialogue dans un texte de la CGT, un dialogue imaginaire entre un militant syndical, Charles, de la CGT, et un militant syndical, Pierre, de la CGTU. Et le camarade de la CGT demande à son camarade « Mais pourquoi ?» veulent-ils à tout prix cette loi de limitation de l'immigration alors ? Et Pierre de la CGTU lui répond. J'y viens. La crise s'approfondit, le chômage augmente. Devant une telle situation, le mécontentement des travailleurs grandit. Il se traduit et se traduira par des luttes de plus en plus larges contre le patronat et la bourgeoisie. De telles luttes sont susceptibles de nuire aux intérêts du capitalisme, lequel, pour sortir de sa crise, entend diminuer les salaires et renforcer son exploitation sur la classe ouvrière. Par tous les moyens, il lui faut empêcher de telles luttes. Pour cela, il lui est nécessaire d'accentuer la division entre prolétaires pour tenter de maintenir ses privilèges. La loi du 10 août 1932, la campagne menée par ton organisation, ainsi que par celle à caractère fasciste, nationaliste et autres, ne vise qu'un seul et unique but. Ce but peut être ainsi défini: masquer les responsabilités du capitalisme dans l'existence de la crise du chômage et de leurs conséquences parmi la classe ouvrière, en créant parmi les travailleurs français l'illusion d'une issue à la crise et de la suppression du chômage par l'expulsion des travailleurs immigrés. Nous rappelons ces polémiques au sein du mouvement ouvrier, car ils font écho, certains, à des débats contemporains. Aujourd'hui encore, la thèse de la nécessaire restriction de l'immigration
est mise en avant au prétexte de lutter contre la baisse des salaires et des conditions de travail. Il n'est pas rare non plus d'entendre suriner la thèse d'une opposition entre revendications spécifiques et revendications communes à tous les travailleurs. Les débats contemporains n'ont ainsi rien de neuf. Ils véhiculent les mêmes enjeux que par le passé et les mêmes choix incontournables. Préférence nationale ou égalité des droits? La réponse à ce choix est fonction de l'analyse posée sur la fonction économique de l'immigration au sein du mode de production capitaliste. Pour la CGT, dans son histoire, eh bien, c'est l'égalité des droits qui a toujours structuré les prises de position concernant l'immigration. Abordons maintenant la question de la nouvelle étape qu'a été la réunification. Comment est-on sorti de cette phase de division qui, de 21 à 36, va voir se juxtaposer deux structures syndicales, issues toutes les deux de la CGT? Le mouvement syndical est divisé en trois tendances à ce moment-là. La CGT, la CGTU et un certain nombre de syndicats dits autonomes, c'est-à-dire des syndicats qui, ayant refusé la division en deux camps, décident de rester autonomes jusqu'à la réunification. Cette division en trois tendances va perdurer au moment où arrive la crise de 1929 et la montée du fascisme et des nouveaux dangers de guerre. À la base, l'aspiration à l'unité s'exprime de plus en plus. Le 9 novembre 1930, un appel co-signé de 22 militants et militantes connus publiquement et intitulé « Le Manifeste des 22 » va insister sur quatre points. Premièrement, la crise du capitalisme et ses conséquences sur les masses et sur les projets de la classe dominante. Secondo, le double péril d'une nouvelle guerre mondiale et d'une dictature fasciste. Troisièmement, la nécessité dans ce contexte d'une réunification syndicale sur la base de la charte d'Amiens. Et troisièmement, la nécessité de cette réunification pour mener à bien la lutte des classes. Le succès est immédiat. En trois mois, 960 signataires, que l'on peut décomposer comme suit, 372 de la CGTU, 329 des syndicats autonomes et 259 de la CGT confédérée. Et de plus en plus de syndicats entiers commencent à signer en tant que syndicats. Mais les choses ne sont malheureusement pas encore mûres pour la réunification. Si la CGT continue à exiger le retour à la CGT des unitaires sur des positions réformistes, la CGTU, elle, propose une dynamique d'unité d'action, débouchant sur des comités d'unité pour réunir les conditions politiques de la reconstitution d'un syndicat unique. Effectivement, les initiatives d'action unitaire vont se développer chez les cheminots, les chômeurs, dans les mines, mais la situation est figée sur la question de l'unité syndicale. C'est la menace fasciste qui apportera l'élément permettant un saut qualitatif dans la réunification. La CGT comme la CGTU réagissent immédiatement au coup de force des ligues fascistes du 6 février 1934. Ce sont les syndicats qui deviennent immédiatement la cheville ouvrière de la résistance antifasciste. La CGTU appelle dès le lendemain, avec le PCF, à une manifestation le 9 février qui sera interdite et marquée par des heurts violents avec la police. La CGT, pour sa part, appelle à une manif pour le 12, pour la défense de la République. Refusant ce mot d'ordre de la CGTU appelle néanmoins à s'y joindre avec ses propres mots d'ordre, qui sont les suivants. Lutte de classe contre le fascisme. La masse qui défile le 12 février devient le symbole, dans l'ensemble du prolétariat, de la force de l'unité d'action. Les syndicats uniques proposés par la CGTU vont se multiplier en dépit du désaccord de la CGT. Ces syndicats uniques sont une structure particulière nouvelle. Ce sont des structures hybrides, regroupant des militants confédérés, donc de la CGT, des unitaires et des autonomes, mais où chaque militant conserve son appartenance confédérale. La double appartenance, en quelque sorte. La direction de la CGT désavoue, mais n'ose pas exclure ces militants qui y sont engagés. La multiplication des mesures réactionnaires du gouvernement et la dynamique unitaire qui fait tache d'huile conduira à la réunification de mars 1936. Contraint et forcé,
la direction réformise la CGT et t'amener à, au moins en apparence, accepter la dynamique unitaire. Trois mois plus tard, nous sommes avec cette réunification, avec le déclenchement des grandes grèves du printemps et de l'été de 1936, et la CGT comptera 4 millions de syndiqués. En conclusion de cette étape, nous pouvons donc synthétiser en considérant que, de la même manière que c'est un coup d'État des réformistes au sein de la CGT qui a conduit à la scission, c'est la dynamique unitaire de la base qui a imposé la réunification aux grandes dames des dirigeants confédérés. Ils ne l'oublieront pas, et nous le verrons plus loin, contribueront à la répression au moment où Pétain arrive au pouvoir. La CGT dans la Seconde Guerre mondiale, une autre étape importante. Lorsque la bourgeoisie lance son slogan « Plutôt Hitler que le Front populaire », c'est d'abord la peur de l'immense mouvement de grève que la France vient de connaître qu'elle exprime. 12 000 grèves, dont 9 000 avec occupation d'usines. Le contexte international est invoqué par Daladier pour justifier la remise en cause sur l'essentiel des conquêtes du Front populaire. Certes, on ne parle pas à l'époque de guerre contre le terrorisme ou de guerre contre le Covid, mais la logique est similaire. Voici ce que dit Daladier. Il faut remettre la France au travail, on croirait entendre Macron. Tant que la situation internationale demeurera aussi délicate, il faut qu'on puisse travailler plus de 40 heures et jusqu'à 48 heures dans les entreprises qui intéressent la défense nationale. Dans la foulée, les décrets-lois du 12 novembre 1938, et oui, déjà des décisions par décret, comme aime le faire aujourd'hui Macron, reviennent sur les conquêtes du Front populaire en autorisant l'allongement de la durée du travail à 50 heures et même au-delà avec autorisation de l'inspection du travail. La CGT appelle bien sûr à s'y opposer par l'appel à la grève générale le 30 novembre 1938. Le gouvernement annonce la révocation de tous les grévistes dans la fonction publique et le patronat fait de même pour le privé. Au total, ce sont plus de 800 000 ouvriers qui seront licenciés pour grève. 1800 procès intentés à des structures syndicales pour entrave à la liberté du travail et 806 peines de prison ferme qui seront prononcées. Ces licenciements ne sont pas aveugles. Ce sont d'abord les dirigeants syndicaux qui sont expulsés hors des entreprises. Le journal Syndicat de la métallurgie de Dijon titre « Une Saint-Barthélemy des militants ». Le mouvement syndical est tout simplement décapité, laissant le terrain libre aux réformistes de l'ancienne CGT qui attendent leur revanche. Au début 1939, on compte plus de 15 000 responsables syndicaux au chômage. Les anciens dirigeants réformistes de la CGT ne se sont jamais remis de la réunification imposée par la base. Ils utilisent alors la campagne anticommuniste menée autour du pacte germano-soviétique pour exiger l'exclusion de tous les syndiqués ne rejetant pas ce pacte. Ce sont bien entendu les militants communistes qui sont visés, mais au-delà, tous ceux qui refusent le discours de guerre s'appuyant sur ce pacte germano-soviétique. Dès le 24 août, c'est-à-dire le lendemain de la signature du pacte, la commission administrative condamne le pacte germano-soviétique par 18 voix contre 8. Les appels à exclure les anciens de la CGTU se multiplient. Le 18 septembre, le lendemain de la rentrée des troupes soviétiques en Pologne, le bureau confédéral décide d'exclure de la CGT tous ceux qui refusent de condamner publiquement le pacte. Et le résultat est malheureusement obtenu par 24 voix contre 5 et 2 abstentions. Il faut en tirer les leçons. Tous les militants communistes, tous les militants unitaires, tous les militants de l'ancienne CGTU, en tout cas une grande partie, sont exclus de la CGT et de nombreux syndicats sont dissous. Dès le 30 septembre, les dirigeants nationaux exclus signent un texte intitulé « Pour l'union syndicale en France » dans lequel ils dénoncent le putsch et appellent à la résistance. Une nouvelle fois, ceux qui ont été exclus ne renoncent pas, mais reprennent le travail à zéro pour reconstituer la dynamique syndicale digne de l'histoire de la CGT. Il faut rappeler leurs noms,
tant a été diffusé le mensonge d'une CGT qui aurait été attirée par le discours de Pétain. Ces résistants, ces anciens qui ont tenu haut l'honneur de la CGT, ce sont Benoît Frachon, Julien Rocamont, Henri Becker, Alexandre Delobel, Édouard Fink, Charles Garcia et Henri Reynaud, tous membres de la commission administrative, tous exclus par les réformistes de la CGT. Quelques jours après, le 18 octobre, 6 de ces 7 militants sont emprisonnés. Le 7e, Benoît Frachon, n'est pas emprisonné tout simplement parce qu'il est entré dans la clandestinité pour continuer son travail militant. La réaction des syndiqués dans ce contexte est de voter avec les pieds, en refusant de cautionner le coup de force des anciens confédérés et du gouvernement. En un an, la CGT perd les 4/5 de ses effectifs. La suite est connue. Elle se résume en deux voies antagonistes. Celle des dirigeants de la CGT, réformistes, ayant mené le coup de force. Cela les conduira à collaborer avec Pétain, avec comme symbole René Belin, secrétaire adjoint, qui finit ministre du travail de Pétain en juillet 1940. À l'opposé, les dirigeants exclus mettent en place dès l'hiver 1939 de nouveaux réseaux syndicaux clandestins et c'est comme cela que la CGT contribuera à la résistance. Il est temps de tirer quelques conclusions de cette longue histoire et encore nous aurions pu aborder des phases d'autres étapes mais le temps serait trop long. Quelques étapes, quelques conclusions. Première conclusion, le cœur de l'identité de la CGT, telle que construite historiquement, dont nous pouvons encore aujourd'hui être fiers, est la double besogne. La défense des intérêts immédiats et le changement de société. Ce n'est ni l'un ni l'autre simplement, ni une dérive gauchiste, ni une dérive réformiste, mais l'articulation des deux qui est au cœur de l'identité de la CGT. Il s'agit à la fois du refus du gauchisme et du réformisme. Deuxième conclusion, l'autonomie de la charte d'Amiens n'est pas le refus du politique, le refus de l'engagement politique des syndiqués, ni le refus d'alliance avec les organisations politiques, mais le respect du cadre organisationnel de la CGT. Seule la pratique syndicale et la validation démocratique par les bases doivent déterminer la place et les responsabilités de chacun. Troisième conclusion, l'internationalisme fait partie de l'ADN de la CGT. C'est même du sein de la CGT qu'est née la dynamique de refus de l'Union sacrée au moment de la Grande Boucherie mondiale. On retrouvera cette dimension dans le refus de l'occupation impérialiste de la Ruhr, dans le refus de la guerre du Rif, dans le refus de la guerre du Liban, dans le refus de la guerre de Syrie dans les années 20. Il en est de même sur les questions de la CGT et c'est une autre des conclusions. La CGT peut s'honorer de ne pas avoir cédé aux pressions chauvines des années 30 en maintenant des positions d'unité de la classe, alors que la classe dominante et les réformistes appelaient à mettre en avant un bouc émissaire pour masquer les responsabilités du système capitaliste. Autre conclusion, la CGT a toujours été unitaire. La scission de 1921 et le fait des réformistes par un coup d'État, la réunification de 1936 et le fait des unitaires par une dynamique à la base. Enfin, la Seconde Guerre mondiale fait fonction d'analyseur. Plusieurs dirigeants confédérés semblent dans la collaboration. La très grande majorité des militants historiques de la CGT exclus rejoignent la résistance. Résumons-nous, une CGT de lutte de classe, en défendant les intérêts immédiats et en luttant pour la destruction du capitalisme à terme. Une CGT internationaliste, anti-impérialiste et opposée à la guerre. Une CGT agissant pour l'unité de la classe. Une CGT unitaire, mais sur une base antiréformiste. La CGT dont nous avons besoin aujourd'hui et la poursuite de celle de nos anciens. Merci à ces anciens de nous avoir ouvert la voie. Merci. Merci beaucoup Saïd pour cette présentation. On va maintenant passer à quelques questions que les gens nous ont laissées sur le chat. Et d'ailleurs sur le chat, n'hésitez pas à continuer à poser vos questions pendant que Saïd répond aux premières. On va d'abord du coup prendre la question de Nicolas, que je vais te lire en entier. Donc il y a un commentaire slash question. Donc Nicolas nous dit, on parle du télétravail comme d'un nouvel âge d'or du capitalisme,
à travers l'individualisation, ce qui va à l'encontre du syndicalisme et de la lutte des classes. N'est-ce pas plutôt le système Uber qui crée une sorte de nouveau prolétaire non protégé par le droit social ? Le télétravail pourrait être réglementé alors que les contrats d'auto-entrepreneurs biaisent le contrat. Le capitalisme du 21e siècle ne rêve-t-il pas d'une société d'auto-entrepreneurs en concurrence les uns avec les autres, plutôt que de télétravailleurs ? Et donc, pour ajouter un peu à sa question, comment il faut comprendre ces nouveaux enjeux du syndicalisme et comment on peut s'aider de l'histoire de la CGT pour les appréhender ? Commençons pour répondre à... Comment il s'appelle ? Nicolas. À Nicolas. Simplement repérer ce qu'il y a de commun entre le télétravail et le développement des auto-entrepreneurs. Parce qu'il y a un élément commun. Dans les deux cas, il s'agit de casser le collectif de travail. L'auto-entrepreneur ne participe plus à un collectif de travail. Il est en apparence son propre patron. Le télétravail, la personne est isolée chez elle, etc. Dans les deux cas, c'est la notion de collectif de travail qu'il s'agit de casser. Et il a raison de souligner que ces pseudo-travailleurs indépendants sont en fait des formes masquées de l'hyperflexibilité. En réalité, c'est une manière d'échapper à l'ensemble des conquis sociaux, aux régulations des conventions collectives, aux capacités de résistance collective. Donc que ce soit par le télétravail ou par l'auto-entrepreneuriat, on a aujourd'hui une recherche par le capitalisme de toutes les formes qui permettent, un, d'éviter la régulation par le droit du travail, deux, le contrôle par le collectif de travail. Et c'est ce qui va relier toute une série de formes qui en apparence peuvent apparaître comme très différentes les unes des autres, mais qui en réalité sont les mêmes. Et c'est là qu'on voit que le capitalisme est devenu un capitalisme sénile. Nous revenons à des formes qui peuvent, en apparence, qui ont en tout cas des traits communs, avec les toutes premières formes du capitalisme. Après tout, le travail au domicile dont j'ai parlé au début de mon intervention, qu'est-ce d'autre que l'auto-entrepreneuriat ? C'était quoi le travail à domicile qui était l'essentiel du capitalisme infantile ? Eh bien, on avait un entrepreneur qui apportait à des familles de la laine, un métier à tisser, et ces personnes, chez elles, produisaient du tissu. C'était des auto-entrepreneurs, c'était des sous-traitants, c'était sous-traitance, auto-entrepreneur, télétravail sont des formes qui permettent d'éliminer les garanties du droit du travail et secondo, d'augmenter la flexibilité et troisièmement, de casser le collectif. Donc on n'a pas à opposer ces différentes formes. Le capitalisme cherche toutes les formes possibles et imaginables pour briser et les protections et les résistances. Bon, merci Saïd. Une deuxième question, toujours sur le chat de Jonathan, qui nous demande « Le courant réformiste présent dès le départ souhaite-t-il réellement abolir le salariat et le capitalisme ?» Ben, s'il est réformiste, il ne le souhaite pas. Et c'est le courant réformiste, c'est toute la force de la CGT, a toujours dans les textes doctrinaux été minoritaire. À chaque fois, il a tenté de remettre en cause les acquis des textes historiques de la CGT, en particulier de la Charte d'Amiens, qui posait la destruction du capitalisme. Il n'y a jamais réussi, y compris dans les périodes où il menait ses coups d'État et ses putsch, qu'il a fait à deux reprises, y compris dans ces périodes-là, il était contraint de tenir compte des bases. La force de la CGT, c'est que son histoire fait que les bases ont été construites sur cette idée d'une articulation entre intérêt immédiat et destruction du capitalisme. C'est la fameuse double besogne. Mais du côté des réformistes, bien entendu, il n'y a jamais eu accord sur cette double besogne. Ils insistent sur le fait qu'il faut être réaliste, sur le fait qu'il faut être pragmatiste, et que par conséquent, la défense des intérêts immédiats serait déjà énorme, et qu'on n'aurait pas à la lester de quelque chose qui leur semble irréaliste, qui est la destruction du capitalisme. Alors, ça a eu une autre question de ce que je pensais être un pseudonyme, mais qui est une référence à un grand personnage de la CGT, donc de Ambroise Frachon sur Facebook, qui nous demande « Est-ce qu'il est possible de remettre la CGT sur les rails de la lutte de classe, alors même qu'on sait qu'aujourd'hui encore, dans la CGT, perdurent des oppositions entre des courants révolutionnaires et réformistes, et que
pour une partie, la CGT reste dans une certaine mesure enfermée dans des logiques opportunistes qui sont contradictoires avec la lutte des classes. Tant que nous aurons un fonctionnement démocratique des structures de base de la CGT, tant qu'il existera des syndicats qui fonctionnent de manière autonome, la reconquête au sein de la CGT est possible. Ce qui ne veut pas dire qu'elle sera simple, ce qui ne veut pas dire que les réformistes céderont la place comme cela, mais on a à plusieurs moments de l'histoire de la CGT vu des oppositions minoritaires grandir, et je le soulignais, même au moment où on a exclu de la CGT tous ceux qui étaient sur une dynamique unitaire, eh bien, la dynamique unitaire a réussi à imposer un rapport de force. C'est long, c'est dur, mais tant que les syndicats restent la base de la CGT, tant qu'on a cette autonomie syndicale et cette démocratie syndicale, eh bien, c'est la démocratie qui l'emporte. À nous de faire en sorte de devenir majoritaire, de convaincre la majorité des syndicats pour recentrer sur cette héritage historique de la CGT. Alors, encore une question, Saïd, de nouveau un pseudonyme, je suppose, Sylvain Robespierre, qui demande « Est-ce que la CGT peut rejoindre les révolutionnaires qui sont dehors tous les samedis pour dénoncer le système dans lequel on meurt pour que les plus riches s'enrichissent ?» Et donc, en l'occurrence, il fait référence aux Gilets jaunes. Donc voilà, quelle approche doit avoir la CGT et les syndicats des mouvements comme les Gilets jaunes, par exemple ? Alors, les Gilets jaunes permettent d'illustrer justement l'ampleur des tâches qui sont les nôtres aujourd'hui. Nous sommes dans une phase particulière du capitalisme, qui est la mondialisation, ou plus exactement, une nouvelle phase de mondialisation. On est, depuis la décennie 80, dans une opération de grande revanche des classes dominantes. Tout ce qu'elles avaient été obligées de céder par les luttes sociales pendant des décennies, eh bien, à partir de la décennie 80, on a eu une offensive, non seulement en France, mais au niveau mondial, pour remettre en cause tous ces conquis sociaux. C'est ce qu'on a appelé le néolibéralisme ou la mondialisation. Cette dimension-là va amener la société française à des transformations sociales extrêmement importantes. On va avoir une paupérisation de tout le monde, mais on va avoir aussi le déclassement d'un certain nombre de catégories. Les Gilets jaunes sont l'expression d'une partie de la société française qui est en dehors de l'entreprise aujourd'hui pour beaucoup d'entre elles, et qui par conséquent était en recherche d'une forme de lutte pour exprimer cette dégradation, ce déclassement, ce sentiment d'abandon. Il est évident que les luttes que mène la CGT depuis des décennies sont convergentes et sont les mêmes que les luttes que les Gilets jaunes mènent aujourd'hui. Et par conséquent, eh bien, il y a besoin effectivement que ces deux luttes ne deviennent qu'une seule lutte. Ceci dit, les choses ne sont pas simples, parce qu'on a diffusé un certain nombre de discours visant à diviser les uns et les autres. On a tenu un discours anti-syndicaux en direction des Gilets jaunes. On a tenu un discours de diabolisation des Gilets jaunes. Et par conséquent, il faut que l'on dépasse ces discours des dominants. Toutes les fractions du monde du travail, qu'ils soient au sein du syndicat ou à l'extérieur du syndicat, qui entrent en lutte aujourd'hui, doivent aller vers l'unité. Avant la prochaine question, une petite remarque de Morgane qui nous dit « Bonsoir, d'abord merci Saïd pour cette intervention ». Effectivement, merci Saïd. Prochaine question de Patras Le Piré qui nous dit « Alors que les femmes, les immigrés et les jeunes sont les plus fragilisés dans cette société capitaliste, que peut-on espérer, et particulièrement la jeunesse en formation, de cette vieille dame qu'est la CGT ?» Eh bien tout. Tout. En réalité, la question qui nous est posée, c'est comment aujourd'hui les catégories les plus touchées par la régression sociale vont-elles pouvoir trouver les formes organisationnelles qui leur permettront de créer du rapport de force. Répondre à cette question, c'est d'abord se poser la question, est-ce qu'ils ont à côté d'eux d'autres personnes également exploitées par les mêmes ennemis ? La réponse est oui. La seconde, les structures syndicales sont-elles de bons outils pour résister ? Toute l'histoire du mouvement ouvrier l'indique. La réponse est oui. Y a-t-il maintenant des blocages au sein de ces structures ? Sans doute.
il faut les faire exploser. C'est en investissant les structures syndicales, c'est en y apportant les revendications spécifiques qui sont liées à ce que vivent spécifiquement les jeunes, ce que vivent spécifiquement les femmes, ce que vivent spécifiquement telle ou telle catégorie, que l'on pourra adapter le cadre qui est encore valable, l'adapter aux réalités d'aujourd'hui. Ça n'est pas en inventant d'autres cadres pour lesquels nous allons réinventer la roue, refaire les mêmes erreurs, etc. Nos anciens ont construit un cadre, il est disponible, il fonctionne, il est là. Maintenant, il faut y prendre toute sa place et, si nécessaire, bousculer les obstacles. Morgane, à présent, a une question après son remerciement. Elle nous dit « Comment pourrions-nous limiter l'amalgame entre des manifestants qui suivent un cortège initié par la CGT et ceux habillés de noir qui vont à la rencontre de la police, provoquent et ou cassent sur leur route pour ensuite venir se réfugier derrière des manifestants qui ne font que brandir des slogans et marcher pour défendre leurs idées ?» Elle fait référence donc au mouvement Black Bloc qui renvoie à des choses et des enjeux historiques aussi dans la CGT qui ne datent pas d'hier. Eh bien, par l'organisation. Il faut qu'on améliore nos capacités organisationnelles. Il faut absolument que la CGT retrouve dans ses manifestations le fait qu'on y va parce que l'on considère qu'on est dans la famille. On ne vient pas pour castagner de la police. On vient là pour mettre en avant et créer du rapport de force. Bien entendu, la chose ne sera pas simple, mais c'est la masse qui fera la distinction et secondo l'organisation. Il faut s'organiser pour les manifestations, de telle sorte que les cortèges apparaissent comme étant des cortèges dans lesquels il n'y a aucun doute sur pourquoi nous sommes là. Alors une nouvelle question de Jonathan, qui nous dit « Comment te situes-tu » Et je pense, de manière générale, quels sont les enjeux historiques et actuels auxquels fait face la CGT quant au débat autour de la Fédération syndicale mondiale, de la Confédération européenne des syndicats et de la Confédération syndicale internationale, c'est-à-dire toutes les organisations qui regroupent les syndicats du monde entier et qui, il n'y en a pas qu'une, il y en a plusieurs et qui ont parfois des projets contradictoires. Au niveau international, il y a toujours eu division des structures syndicales. Il y a eu plusieurs internationales syndicales. J'ai cité dans l'histoire de la CGT l'internationale syndicale rouge. Pourquoi y en a-t-il eu plusieurs ? Ben pour les mêmes raisons qu'il y avait plusieurs syndicats en France. Une des internationales syndicales était une internationale qui, comme la CGT, considérait que nous ne pouvions pas défendre nos intérêts immédiats si en même temps nous ne remettions pas en cause le système qui produit l'exploitation. Ça va être la Fédération syndicale mondiale qui va symboliser historiquement ce courant qui est le courant de la double besogne. Combat pour les revendications immédiates et combat pour l'abolition du système capitaliste. Les autres structures internationales vont être créées pour casser justement la FSM, autrement dit, vont être soutenues par un certain nombre de gouvernements pour empêcher la FSM de devenir une force capable de remettre en cause le système capitaliste mondial. Et par conséquent, eh bien, il faut appliquer la même logique en France. En France, historiquement, la CGT a toujours été partie prenante de la Fédération syndicale mondiale. Ce n'est que récemment que la décision a été prise de la quitter et d'aller au sein de cette pseudo-confédération européenne des syndicats. On passe donc d'une Fédération syndicale mondiale à une Fédération européenne. Rien que cela est le signe d'une régression. La classe ouvrière qui était pensée comme une réalité mondiale devient de manière chauvine simplement une classe ouvrière européenne. Rien que ça, c'est une dimension qui devrait nous amener à retourner à la Fédération syndicale mondiale. Et ce d'autant plus que quand on regarde les compositions des structures syndicales internationales, force est de constater que l'essentiel des travailleurs d'Asie sont à la FSM. L'essentiel des travailleurs d'Afrique sont à la FSM. L'essentiel des travailleurs des pays arabes sont à la FSM. Des pays symboliques comme la Grèce, touchés par les restrictions comme on a pu le voir rarement dans l'histoire,
font partie de la FSM. Autrement dit, les grands syndicats, les syndicats essentiels de l'essentiel de la classe ouvrière font partie de la FSM. Le retour de la FSM est un combat que nous devons mener au sein de la CGT, parce que la cohérence identitaire avec l'histoire de la CGT, ça n'est pas la CEI, c'est la FSM. Une nouvelle question de Quentin Lemat qui nous dit « Bonjour Saïd, quand on voit la hausse du chômage des emplois précaires, y a-t-il des exemples dans l'histoire qui pourraient nous inspirer pour organiser les chômeurs, les intérimeurs, les précaires ?» Alors, il y a dans les années 30 une expérience qui a d'ailleurs inspiré des initiatives récentes qui a été importante, ça a été l'organisation de la Grande Marche des chômeurs qui a été un des moments importants dans la visibilisation de ce qu'est les conséquences du capitalisme. Il n'y a pas d'expérience plus forte sur la question de l'organisation de la précarité. Tout simplement parce que cette précarité est une réalité aujourd'hui qui a pris une ampleur telle qui n'a jamais été connue dans l'histoire. Et par conséquent, nous avons, nous, à découvrir ces formes d'organisation. Il faut qu'on se pose la question de comment on va structurer, comment le syndicat doit se structurer pour organiser les travailleurs précaires. Comment il doit se structurer pour travailler, par exemple, ce qui a été souligné tout à l'heure, tous ces nouveaux métiers ubérisés, etc. Comment on fait, comment le syndicat peut s'organiser pour le structurer. Il n'y a pas de réponse a priori à cette question-là. Nous devons nous mettre autour de la table pour réfléchir aux organisations, pour expérimenter, pour en tirer les leçons, et nul doute que nous trouverons des formes d'organisation. Nouvelle question de Mathias Wattel, qui nous dit « Salut Saïd, merci pour ta disponibilité et ton exposé. » Et ensuite, il pose une question qui rebondit sur une précédente de tout à l'heure. « Quand tu parles de, il te cite, reconquête du combat pour la destruction du capitalisme par une partie des militants de la CGT, veux-tu dire par là que les dirigeants actuels de la Confédération ne prennent pas les bonnes décisions pour le faire et sont en quelque forme réformistes ?» La direction actuelle est une direction qui est multiple, mais globalement, on peut dire qu'aujourd'hui, nous n'avons pas une direction de la CGT qui soit sur des positions de lutte de classe conséquentes et cohérentes. Ce qui ne veut pas dire que tout ce qu'elle met en avant est erroné. En réalité, la direction est contrainte de prendre en compte aussi la radicalisation à la base. Et donc nous sommes dans un équilibre aujourd'hui entre des positions réformistes et une base qui se radicalise. Qui l'emportera, ça dépendra de nous tous. Alors, Nicolas Brulant, de nouveau, qui nous dit « Une question-remarque. Blanquer, qui veut privilégier l'apprentissage, le retour du compagnonnage, va donc dans cette logique de retour en arrière du capitalisme comme une forme d'éternel retour. Uber, télétravail, comme dit auparavant, ne sont donc qu'un bond en arrière. Le système capitaliste comprend-il qu'il va dans le mur et souhaite-t-il consciemment ce retour en arrière pour faire semblant de se renouveler ? Dans ce sens, il y a-t-il un travail d'éducation sur les jeunes générations à réaliser pour arrêter ces phénomènes d'oubli de l'histoire ? Comment faire ? Donc, large question. Mais d'une manière plus générale, ça pose le débat de le nécessaire renouvellement des générations et de la syndicalisation des jeunes à la CGT. Alors, on est là devant une question qui permet justement de poser la difficulté, une des difficultés qui est la nôtre. Nous en sortirons, mais c'est une difficulté qui va être difficile à aborder. Les nouvelles générations sont nées avec des sociétés dans lesquelles il y avait déjà des conquis sociaux. Elles sont nées avec des combats qui ont amené que leur entrée dans le monde du travail était un minimum régulé. Elles sont nées avec des conventions collectives qui existaient. Elles sont nées avec un droit de grève qui avait été déjà obtenu. Elles sont nées, et c'est très bien, hein, il ne s'agit pas de reprocher ça aux nouvelles générations, mais juste de constater cela. Elles n'ont donc jamais vu le système capitaliste fonctionner dans sa logique pure. En réalité, la logique pure du capitalisme, c'est le passé, c'est le 19e siècle. La logique pure du capitalisme, c'est une force de travail que l'on peut acheter et vendre sans aucune entrave, sans aucune loi qui vienne nous embêter, sans aucun
code du travail qui vient nous restreindre sans aucune limitation d'horaire. C'est ça la logique pure du capitalisme. Qu'est-ce qui a fait que cette logique pure s'est transformée? Ce sont les résistances. Autrement dit, le capitalisme était obligé de prendre en compte le rapport de force. Pour ne pas disparaître, il était contraint de céder sur sa logique pure. Dès que le rapport de force lui a permis de revenir à sa logique pure, eh bien, il tente de le faire. C'est ce qu'il est en train de faire, et effectivement, nous allons retrouver des formes des débuts du capitalisme. Nous pouvons même dire aujourd'hui, ça va sembler complètement irréaliste à certains, que même le travail des enfants est quelque chose qui peut revenir demain. Ils nous l'argumenteront en disant que les progrès techniques ne signifient plus la même chose et donc on ne peut plus parler de travail de la même façon. Ils nous l'argumenteront en disant que c'est éducatif ou ça concerne ceux qui sont allergiques à la scolarité, etc. Mais même l'idée de revenir au travail des enfants, qui était une des lois du capitalisme infantile à sa naissance, peut revenir aujourd'hui. Et par conséquent, la logique pure du capitalisme, c'est bien ce retour au capitalisme primitif. C'est les victoires ouvrières qui ont empêché cette logique pure de perdurer. C'est la victoire de la révolution bolchevique qui a empêché cette logique pure de perdurer. Et c'est notre recul de rapport de force qui fait que cette logique pure revient aujourd'hui. Ça indique toute l'importance de la connaissance de l'histoire. En réalité, ça signifie que nous devons multiplier les formes et les moyens des conférences, des films, des chansons, etc., qui permettent aux nouvelles générations de se réapproprier cette histoire et de savoir que les anciens, c'est pas un autre monde. Les anciens ont fonctionné dans le même monde, mais avec un autre rapport de force. Et là, eh bien, ils s'apercevront que il y a beaucoup de points communs entre ce qu'ont fait leurs parents et leurs grands-parents et leurs intérêts aujourd'hui. Alors, on va passer à de nouvelles questions. Petite interlude avec une intervention de Manuel Alves qui nous dit « En force la CGT, syndiquez-vous pour que le gouvernement recule. Il y a trop d'abus envers tous les travailleurs. » Et une autre intervention de Yonidis Tsironi Fotoula qui nous dit « Merci pour ta conférence et ta fabuleuse réponse sur la FSM qui organise beaucoup de syndicats au niveau mondial. Pas mal de secteurs CGT ont rejoint la FSM et c'est une belle initiative. » Une nouvelle question donc de Gaëtan Elon qui nous demande « Peux-tu dire quelques mots sur l'histoire du syndicalisme jeune ou étudiant ?» Et je me permets, avant que tu répondes, de préciser que effectivement le CELA-CGT, donc Syndicat des étudiants lycéens apprentis, est une jeune organisation dans le Nord, mais qui a pour but de prendre toute sa place dans la CGT de lutte des classes que nous voulons. Donc peux-tu nous dire quelques mots sur l'histoire du syndicalisme jeune et étudiant ? Il y a toujours eu une tension sur la question de l'organisation de la jeunesse et des étudiants. Pour une première opinion, il faudrait organiser les jeunesses en fonction de leur activité d'aujourd'hui. Autrement dit, il faudrait un syndicat étudiant qui serait distinct du syndicat ouvrier ou à côté du syndicat ouvrier ou en dehors du syndicat ouvrier et que les jeunes ouvriers en tant que tels devraient rejoindre leur structure syndicale classique. C'est oublier tout simplement que, en réalité, la jeunesse a une fonction particulière au sein du capitalisme. Elle a une fonction particulière. La force de travail jeune a toujours été, comme la force de travail féminine, une variable d'ajustement structurel. Autrement dit, le capitalisme a toujours tenté une surexploitation de la jeunesse en disant ils ont moins de charges, ils ont moins d'expérience, ils sont encore flexibles, etc. Et donc on va tenter une dynamique de surexploitation. Et que par conséquent, l'organisation spécifique de la jeunesse, elle est essentielle, puisqu'il y a des formes d'exploitation qui vont être spécifiques. Pendant longtemps, on pouvait payer différemment, et encore aujourd'hui, avec l'apprentissage par exemple, payer moins un jeune que le salaire habituel. Et par conséquent, il y avait des décotes. Et par conséquent, on voit bien qu'il y a des intérêts spécifiques à la jeunesse, non pas contradictoires avec les intérêts du reste de la classe, mais qui, au sein des intérêts de la classe, vivent une exploitation particulière. Et par conséquent, l'organisation de la jeunesse permet de prendre en compte ces dimensions-là. Autrement dit, je considère, moi, qu'il faut qu'au sein de la CGT, les jeunes s'organisent, soient organisés,
tout en étant en lien avec, bien entendu, le reste de leurs camarades, quel que soit l'âge. Une nouvelle question de Fabienne Young qui nous demande « Pourra-t-on espérer une victoire durable de la CGT sans la présence d'un camp socialiste qui effraie la bourgeoisie ?» C'est toute la question de l'articulation entre les deux modes de lutte principaux de la classe ouvrière. La classe ouvrière, très tôt, a donné naissance à deux formes organisationnelles qui, loin de s'opposer, certains voudraient les opposer, sont en réalité complémentaires. La première, c'est ce à quoi nous avons consacré la séance d'aujourd'hui, l'organisation syndicale. Et la seconde, ben, c'était la notion de parti ouvrier, qui étaient des partis qui se donnaient comme objectif spécifique le renversement du capitalisme. Par conséquent, effectivement, on ne peut pas considérer qu'on va marcher sur un seul pied. C'est en marchant sur ces deux pieds-là que nous pourrons, en réalité, créer le rapport de force qui permette de détruire complètement le capitalisme. Voilà, donc soyons tous syndiqués et ceux qui veulent aller plus loin, eh bien, doivent se préoccuper de la question de l'organisation de la classe ouvrière en partie. Une nouvelle question de Tchoupi qui me demande « Quelles sont pour vous les stratégies syndicales à mener dans la réalisation d'une conquête de nouveaux acquis sociaux et économiques ?» Et notamment, je pense, dans quelle mesure il faut réussir à reconstruire à la fois le travail en termes de cellules d'entreprise et, comme tu disais, aussi le travail en termes de localité comme il y avait au début de la CGT en France. Nous n'avons pas à avoir de règles absolues sur la forme d'organisation. La forme d'organisation est un outil. Elle doit aller là où ça nous permet de toucher le maximum de personnes, là où ça nous permet de toucher toutes les fractions de la classe ouvrière. Autrement dit, nous avons une partie de notre classe qui reste en entreprise. Ça, très souvent, on a tendance aujourd'hui à balayer cela. On a encore une classe ouvrière qui travaille, il y a encore une classe ouvrière dans l'entreprise, et donc nous avons besoin de la structuration syndicale dans l'entreprise. Mais nous avons une autre partie de la classe ouvrière qui n'est plus socialisée durablement dans l'entreprise, qui va de CDD en CDD, d'intérim en stage, etc. Et donc nous devons aussi avoir une forme territoriale d'organisation. Ça n'est pas l'opposition de deux, c'est vraiment l'articulation des deux, qui d'ailleurs rejoint cette vieil héritage que j'ai souligné au début de mon intervention, entre d'une part une logique d'organisation de métier qui a donné les syndicats d'entreprise et une logique d'organisation territoriale qui a donné les bourses de travail. Eh bien, ces deux pieds-là, cet héritage-là, nous devons de nouveau l'investir en l'adaptant à la réalité d'aujourd'hui. Une nouvelle question de Sylvain Robespierre qui nous demande « Peut-on mettre en place, et je pense surtout, est-ce que c'est pertinent de mettre en place, un syndicalisme obligatoire dans les entreprises ?» Par définition, l'histoire de la CGT est allergique à l'idée d'un syndicalisme obligatoire. Le syndicalisme doit rester. Ça nous permet de mesurer l'ampleur du travail qui reste à mener, mais aussi l'ampleur des acquis, déjà, en termes de conscience. Doit rester un acte de volontariat. Ceux qui nous mettent en avant l'idée d'un syndicalisme obligatoire ont une conception autoritaire et utilitariste de ce que c'est que le syndicat. En réalité, le syndicat, c'est un choix autonome, c'est le choix d'auto-organisation que font les ouvriers. Et par conséquent, on ne peut pas d'un côté prôner l'autonomie et l'auto-organisation et d'un autre côté mettre en avant l'idée d'une obligation d'être syndiqué. Une petite remarque de Jean Bambois avant de passer de nouveau à la question suivante. Jean qui nous dit « Nous, militants de la CGT, devons cesser de quémander en utilisant le mot « nous demandons ». Exigeons nos revendications. Nous devons être maîtres de notre détermination à faire basculer le patronat capitaliste et fasciste. » Et donc, on passe à la question suivante de Guillaume Chouin qui nous demande « Comment se situer de façon syndicale face à la question de la prostitution ?» Et peut-être de comment historiquement la CGT a pu traiter des sujets comme ceci. Alors, on a aujourd'hui deux grands courants qui s'affrontent sur cette question-là. On a un premier courant qui voudrait nous mettre en avant que la prostitution serait un travail
et que ce serait un travail qui serait comparable à toutes les ventes de force de travail. C'est tout simplement là oublier à la fois ce que nous disent les personnes prostituées, et essentiellement lorsqu'elles ont eu la chance de pouvoir arrêter, parce que tant qu'on est dedans, ben, y a une vraie difficulté à pouvoir s'exprimer sur cet enfermement. C'est secondo nier que les prostituées, si on y regarde de près, ce ne sont pas n'importe qui, ce sont les catégories les plus dominées qui sont aujourd'hui dans la prostitution, et ce sont essentiellement des ressortissants et ressortissantes du tiers-monde. Aujourd'hui, les prostituées, ce sont des Noirs, des Arabes, des Asiatiques, et ça n'est pas un hasard. Et par conséquent, mettre en avant cette idée d'une prostitution qui serait un choix, eh bien, aboutit à romantiser une exploitation. Elle aboutit à masquer le mécanisme de domination qu'il y a derrière la prostitution. Il y a ce premier courant. Il y a un second courant qui est le courant auquel moi j'appartiens, j'y ai consacré tout un ouvrage, qui considère que nous n'avons pas à nous attaquer aux prostituées, nous avons à nous attaquer aux causes qui créent la prostitution. Les prostituées ne sont pas nos ennemis, les prostituées ne sont pas des agents qui menaceraient la société. Ce qui menace la société, c'est un système qui contraint des personnes à vendre leur corps. Et par conséquent, c'est ce qui va distinguer l'abolitionnisme du prohibitionnisme. L'abolitionnisme s'attaque aux causes. C'est en montrant les causes de cette société que nous allons pouvoir, les causes de cette prostitution, que nous allons pouvoir amener les prostituées à se relier au reste du monde du travail, à comprendre que leur avenir est non pas dans une reconnaissance de la prostitution, mais dans la destruction du système prostitutionnel. Une autre question, Saïd. Dans les récentes mobilisations syndicales qu'il y a eu, par exemple, l'année dernière contre la réforme des retraites, et qui ont été quand même massives avec une grève sur plusieurs semaines, des manifestations avec des centaines de milliers de travailleurs. Il y a quelques années, on se souvient aussi de la grosse manifestation sur Paris où la CGT avait ramené plus d'un million de personnes dans la capitale. Récemment, la CGT, malgré tout, n'arrive pas à obtenir satisfaction de ses revendications sur ses grands mouvements sociaux. Qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour se remettre dans le chemin de la victoire, à la fois sur le long terme et sur le court terme, pour sortir du fatalisme dans lequel on est un peu plongé? Il faut d'abord prendre la mesure de la mobilisation qui a été la nôtre ces dernières années. Non pas simplement en termes de nombre de personnes et de nombre de personnes manifestant, mais dans la succession des manifestations de masse, de manière durable. Si nous cumulons dans la durée le mouvement des Gilets jaunes, le mouvement contre la réforme des retraites, le mouvement contre les crimes racistes, le mouvement des sans-papiers, le mouvement et les dernières grandes manifestations, le mouvement actuel contre les lois sécurité globale et séparatisme. Cela fait plusieurs années que nous passons d'un mouvement massif à un autre mouvement massif. Il y a eu des mouvements massifs dans le passé, mais ils s'arrêtaient pendant plusieurs mois avant qu'autre chose naissait. Là, depuis plusieurs années, depuis 2-3 ans, nous avons un mouvement permanent qui passe d'un objet à un autre, mais qui indique que les conditions de maturité d'une transformation sociale sont en train d'émerger. Comment va-t-on pouvoir faire pour aller plus loin? Je n'ai pas la réponse, sinon je ne suis pas devin et je l'aurais déjà mis en œuvre. Je n'ai pas la réponse. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'il faut combattre le sentiment d'impuissance. Et pour combattre le sentiment d'impuissance, il faut à la fois expliquer qui nous avons en face. Ça n'est pas parce que nous sommes faibles uniquement, c'est qu'en face, il y a une résistance de tous les moyens et ils n'hésiteront pas, on vous le voit bien avec les violences policières et la fascisation. Et que secondo, eh bien, nous devons passer de mouvements qui soient des mouvements sporadiques, de manifestations qui appellent à une autre manifestation, à des mouvements qui s'inscrivent dans la durée. Simplement, cela ne se décrète pas. Il faut
permettre au mouvement de mûrir. C'est ce mouvement-là qui trouvera les voies et moyens de passer à une offensive plus grande. On ne peut pas décréter la transformation. Elle nécessite simplement qu'on lui donne un cadre organisationnel. Multiplions les initiatives pour que ce mouvement déborde et s'inscrive dans la durée. Bon, c'est à peu près tout, je pense, pour les questions. On a essayé de faire au mieux par rapport à ce que vous nous disiez sur le chat. Donc, merci à tous pour vos questions. Et du coup, on va redonner la parole au camarade du CELA, Dylan, qui avait introduit la présentation de Saïd, pour conclure le live. Donc, Dylan, merci de faire une conclusion courte. Merci à vous d'être venu écouter Saïd pour cette conférence. Il y en aura d'autres, c'est sûr. En présentiel, on l'espère. Mais à défaut, on les fera encore une fois en live Facebook. Petit rappel pour les camarades, on a deux dates importantes à retenir. Le 26 janvier à 14h30, Porte de Paris à Lille, manifestation et grève pour soutenir l'éducation. Deuxième date importante, le 4 février, 14h, Porte de Paris à Lille aussi, cette fois-ci pour soutenir l'hôpital public et la santé publique. Merci à vous d'avoir participé à ce live, à bientôt. Au revoir. Et vive la CGT ! Adhérez !